tears I've dropped to be part of the wave. Can't stop, ever wonder if it's all for you. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Ratchet & Clank Six Matters. Donc c'est le sixième épisode, il me semble. Et donc c'est parti tout de suite. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais je trouve ça sympa. Enfin, ils développent l'idée et tout, je trouve ça super cool. On est dans une sorte de grand... Ça reprend Pokitaru, mais... Enfin, c'est trop bizarre et je trouve ça sympa. Appuie sur la touche Start et sélectionne le menu. Pourquoi il me dit ça? Oui, j'avais un morceau d'armure, mais... Ah, mais... Sans doute pour ça. Armure. C'est un peu moche, hein, de faire un mélange. Ça veut dire rien. Ah. Et donc, il y a une nouvelle arme, hein. L'aspiro-canon. Donc ça, c'est une très bonne arme. Ça aspire et après, vous pouvez rejeter les ennemis sur la gueule des autres ennemis. J'adore. Je suis fan. Qu'est-ce qui se passe? Et il m'énerve, hein. Il m'énerve, ce petit bestiole. Tiens, prends ça. Prends ça. Toi, tu te calmes? Ok. Ok, ok, donc j'arrête tout de suite les voix bizarres. Ah, c'est trop bizarre. Ce personnage-là est mythique, je l'adore. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, peut-être? Peut-être qu'il y avait un truc sur le côté que j'ai pas vu. Ah, voilà. Voilà, voilà. Tout est logique dans la logique, quoi. Ce personnage, oh là là. Ça me fait trop plaisir de voir des trucs comme ça, en fait. Oh, la tête. Vous avez vu la tête? C'est Quark! C'est Quarky! bah, il y avait des trucs, là. J'ai un peu du mal à examiner, à voir les distances dans ce mode. Ah ouais, d'accord, c'est sympa. Ok, c'est cool, en un coup. Ok. Je fais ça de manière complètement dégueulasse. Et j'aime plutôt bien. Voilà, c'est fait. Ça va se faire. Voilà, ça c'est cool. Voilà, voilà. Ah, c'est fait exploser en fait. Je veux un gros boulon. Je serais capable de sauter pour choper le gros boulon, moi. On fait un petit quoi? Je sais pas quoi prendre, je vais prendre ça. Bon, on s'en fout de ça, en fait. Tant qu'il me voit pas, en fait, je crois que ça le fait. Et dès qu'il me voit, en fait... Dès qu'il me voit, il le prend plutôt pas bien. On va dire ça comme ça, hein. Bon, j'en ai deux. Elle a l'air compliquée, cette planète, hein. Enfin, cette planète. Ce truc, quoi. Pas trop comment dire. Un petit quark. Ah putain, on voit l'autre là. Docteur Nefario, ça. Et il a fini où? Elle a fini où, c'est peut-être? Ah, faut viser peut-être. C'est mieux quand on vise. Je me doutais, hein, mais. Je pense qu'il faut que je parte de là. Que je me dépêche d'ailleurs. Oh non! Putain! C'est ce qu'on appelle un coup pour rien. Bon, c'est le deuxième, mais c'est un coup pour rien quand même. Voilà. Ça c'est fait. Bah, j'étais déjà 17. Ah non, j'étais à.
Je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. Il y a des boulons partout! Je veux des boulons! Ah, ça va. Moi, c'est cool. Eux, ils me butent pas en un coup. Je me suis dit, vu comme c'est parti, eux aussi vont me buter en un coup. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un truc qui m'arrive en plein dans la gueule. Hop là. On va jeter un petit quarky. On va prendre le swinger parce que je me suis fait surprendre. Enfin, j'avais réussi, hein. C'est parce que j'ai relâché. Je ne me demandais pas pourquoi. Voilà, voilà. On va aller là. Voilà, voilà. On fait ça, on fait ça. Donc lui, il se met là. Ah là, il y a le méchant du premier opus. Franchement, c'est sympa, ils font des petites... je me rappelle plus comment il s'appelait. Colonel... Non, c'est pas ça. Merde, comment il s'appelait... Oh, j'ai oublié son nom, mais... Un pas gentil garçon, quoi. Voilà. Ouais, j'ai par là. Voilà, calmé, direct. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula. C'est Quarky avec son... Ouh, et du calme, hein. Putain, il est résistant, le gars. Tout ce que je lui ai mis dans la gueule. Y'a pas... J'ai un peu du mal avec les boulons en heure, hein. Je sais pas si vous aurez remarqué. Y'a Pikachu. Non, je rigole. C'est juste qu'il y a un truc jaune, en fait. Je sais pas c'est quoi. Je crois que c'est select hein, pour ouais. Oh, on va peut-être arrêter ça tout de suite parce que lui je vais crever tout à l'heure. Oh merde. Qu'est-ce que c'est que ce truc dégueulasse? Oh, il y a les présentatrices du premier opus toujours. Que je les écarte, ce truc? Je sais pas, apparemment non. Merde! Oh non, putain, mais c'est quoi cette piège à la con? Bon, ça va. Le checkpoint est sympa. Ok. Je me suis dit, on va la tenter à la one again, mais ça ne fait pas trop en fait. Je me suis fait surprendre. J'aime pas trop me faire surprendre en fait. Moi, je croyais que j'allais monter dans mon vaisseau, que c'était terminé. Voilà quoi. En fait, peu importe où je suis, ils sont foutus. Ah, ok. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cet embrouille? En effet, tu peux dire oui. Voilà, un petit V3 tranquillement. Ah putain. Crève. Oh, a... Qu'est-ce que c'est que ça? Un passage. Ça, c'est cool. C'est-à-dire que si je crève, c'est bon. Ça le fait. Je vais sauter dans le vide. Voilà. Quand on est un expert du swinger, ça fait ça. Ouais. Ça fait... Pas tout à fait ça, mais... Voilà. Un expert du swinger, je vous dis. J'ai failli crever, mais un expert du swinger, quand même. Je vais pas attendre 30 000 ans, là. Hop. Hop. Hop, 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 hop. Par contre, au niveau de la vie, c'est chaud, chaud, chaud. Ah putain, c'est le tout départ là. Ratchet, Ratchet. Allez Ratchet, réveille-toi. Ne m'abandonne pas, on a encore du pain sur la planche. Je savais bien que cette Luna n'était pas nette.
Tout est de ma faute. On continue. Un peu plus, je faisais de la merde, comme d'hab. Et donc là, c'est dans le premier jeu, Ratchet & Clank 1. On commence ici. Donc là, dans ce truc, c'est, je pense que c'est le garage de Ratchet. Je sais pas si c'est déjà, si c'est mentionné. Et même que là, il y avait un poster de Quark. Et on savait pas que c'était un méchant du jeu à ce moment-là. Ah. Je pensais pas, je savais pas du tout que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Il y avait pas un autre passage par là? Ouais, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je me fais un peu peur avec avec mes petits sauts là. Eux, ça va, c'est pas trop dur à les battre. C'est bizarre le truc comme ça. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Non, il y a rien. Ah bon? Pour cela, saute sur un mur, puis dès que tu le touches, appuie rapidement sur la touche. Ah bah merci, parce que je connaissais pas en fait. Putain. Donc. Ah, ça c'est bien. C'est les petits taxis là. Franchement, là, dans ce truc là, ils se sont fait plaisir. Ils ont mis plein de références aux autres Ratchet. Ah, il m'énerve. Tu m'énerves, bonhomme. Voilà, j'augmente d'un niveau de vie, c'est sympathique parce que je récupère tous mes points de vie. Et c'est qu'il vise bien, garçon. Il vise bien. On récupère ça. De l'argent, de la monnaie. Ah d'accord, ok. Peut-être si j'attends, il n'y en a qu'un seul qui sort, mais si je le pète direct... Petite salle de muscu, je comprends pas tout. Hein. Ah, là c'est la chambre de Ratchet & Clank. Dans le deuxième opus, il me semble. J'ai eu un peu de mal à la reconnaître, mais je la reconnais quand même. Hein. Un petit point de passage. Ouais. Ça, c'est un élément de gameplay d'un des Ratchet aussi, je sais plus lequel. Hein. Peut-être même les trois. Oh, c'est bizarre, je vois tout de travers. Enfin, tout à l'envers, pas de travers. Je dis n'importe quoi. Oh putain. Regardez, ça faisait combien de temps? Prenez ça. Putain, je récupère pas les boulons, je veux des boulons! Allez, venez, je vous attends, les gars, je vous attends. Je vais faire au beurre parce que j'ai pas envie de me faire surprendre. J'aime pas trop me faire surprendre, en fait. Voilà. Tout est dit. Oh, il y a Clank. Bon, je vais me casser, en fait. Qu'est-ce que je fais, moi? Putain. Comment j'ai esquivé là? Enfin, comment j'ai esquivé? Je me mets entre les Ratchet, entre les têtes de corps. Il fait peur, ce con. Voilà. Okay. Ça, je peux le faire tout seul. Encore? Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est pas grave. Allez. Voilà. On va prendre ça plutôt. Je les éclate à distance. Hop, j'ai fini. Voilà. Et j'ai gagné un point de vie. Dans le plus grand des calmes.
Et j'ai 48 000, hein. Boulon. J'ai de la monnaie. Je vais pouvoir m'acheter la rame. Je pense que... Enfin, j'ai envie d'acheter toutes les armes de toute façon. Donc on va s'acheter toutes les armes. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une certitude, mes enfants. Mes enfants. Donc je suis arrivé, hein. Je sais pas ce que j'attendais. Donc on va utiliser les agents ravageurs. Comme ça. Donc au moins déjà là je commence avec toute ma vie. Ce qui est déjà pas mal. Là il m'a frôlé quand même. Ah ouh, ça c'est bon ça. C'est-à-dire qu'en plus il tire, je pense. Il lance des petites roquettes. Ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons avec leurs petites roquettes. Voilà. Occupez-vous. Putain. Ok, bah moi je me mets juste... Putain, mais... Voilà, je récupère ça déjà. Non, mais il me touche dans des trucs improbables en fait. Voilà, lui il est mort. Et l'autre là-bas il est mort. Il n'en reste plus qu'un. Voilà, et puis je récupère toute ma vie. C'est bon ça. Putain, mais je suis juste au rebord. Et c'est tellement dur de. De distinguer les distances avec ce truc. What the fuck? On achète. Qu'est-ce que c'est que ça? Un boulon en or, je le veux. Je sais pas jusqu'à combien ils augmentent. Mais en tout cas, les agents ravageurs, moi je veux bien les augmenter au maximum. Hein. Ceci dit. Ah, mais je suis sur des boulons en fait. J'avais pas capté que j'étais sur un boulon en fait. Voilà, voilà. C'était... commentaire inutile de Kevin. Ouais, je m'appelle Kevin. On devient intime. On devient intime d'un coup, là. Tiens, prends ça. Ah, il y en a plusieurs, en plus. C'est sympa. Putain, il m'énerve. Et ça augmente. C'est sympa. C'est mieux, si... c'est mieux quand ils se le prennent, en fait. Voilà. 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 Je voyage de boulon en boulon. Ce serait bien que je prenne un niveau de... un point de vie en plus. Je dis ça, c'est qu'une idée en l'air, quoi. J'ai l'impression que cet épisode va durer plus longtemps que les autres. C'est pas grave. J'aimerais bien finir cette planète. Hein. Ah, il se jette dans le vide. C'est sympa. Voilà, j'ai gagné mon point de vie que je voulais gagner. Je pense que là, c'est bon. Et j'ai un boss. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vérifie que ça a bien sauvegardé. 42 PM, c'est ça. Donc je sais pas si vous avez entendu, mais en fait j'ai extrêmement faim. Donc je m'arrête là, de toute façon, ça fait 20 minutes, donc c'est déjà pas mal. Donc, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter ou à partager, à faire ce que vous voulez tant que elle est vue et que j'ai des j'aime. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. À très vite pour une prochaine vidéo.